attention. Ah oui, il n'y a pas de position irrégulière, ça passe. L'opportunité. Eh bien, voici l'ouverture du score pour le Fat Union Sport de Rabat. Oh, oui, c'est signé de Hélas. C'est une nouvelle opportunité. Ah oui, le ballon traîne toujours dans la sphère de réparation. On revoit cette belle frappe de Faisal Bachir. Mais là, on va revoir ce qu'on est. Bien porté par Rodrigue Facilou derrière. La très belle tête de Faisal Bachir. Il pense qu'on l'aurait. Ah oui, ça joue vite. Ça joue vite. Du côté des Marocains. Le centre. Ah oui, la tête. Le ballon traîne toujours là. Le Kopopo qui, dans les 15 premières minutes de cette rencontre, a montré une face. Pour les Marocains. Beaucoup de choses qu'il faut éviter de commettre ces petites fautes-là. Belle combinaison. Ah oui, ça passe. Bienvenue Vignino pour le centre. Derrière. Capté en deux temps. Cette période du mois d'août et donc occasion pour lui de prouver face à ce public qu'il a connu dans le temps ce qu'il est capable de refaire. Attention. Oh, Rafael Manda, Ben Traoré Idriss, il faut plutôt donner un coup de poing à ce ballon. Ouais, il faut la botter derrière les buts, il ne faut pas déposer cette balle devant la sortie. Il aurait... On voit ça justement, on n'a pas compris cette intervention, heureusement que derrière. Valentinou, peut-être pour Ahmed derrière, la frappe. Ce n'est pas grave. Parce qu'on ne demande pas, je l'ai dit, on ne demande pas l'espoir à cette équipe, mais le beau jeu. Et le public sera séduit naturellement parce qu'on estime. Voilà Tibirier, ça passe pour le numéro 10 marocain. Il va tenter quelques enjambées. Mais Touré, Kader est très serein. Non, pour Abdelaziz Akiou. Le centre. La reprise derrière. Oh, personne. Oui, effectivement, attention quand même à ce centre du côté. Du Fat Union Sport de Rabat. On a toujours le pied sur le ballon, un nouveau centre. Cette fois-ci, c'est bien sorti par Beltra. Un joli contrôle pour Gaston Ngbedji qui passe. Gaston Ngbedji qui passe. Et si c'était peut-être lui. Et si c'était peut-être la frappe. Oh yeah. Oh. Comment il n'a pas pu cadrer ce ballon. Comment souligner. On va dire cette euphorie laissée par le public sportif qui se disait ben écoutez, tout est clair. El Bassi, le centre, la tête de Touré, Kader. Pour l'équipe marocaine. Le corner qui est déjà joué. Allez, attention, la poitrine et il occupait ce ballon. On est toujours dans la phase de réparation. Le centre derrière, attention, le contrôle aussi pour le Marocain. Ah oui! Qu'est-ce que c'était bien joué. Le 2-0. Et entre-temps, remplacement annoncé du côté des Marocains avec l'entrée de Yaya Ben Kalek qui va prendre... Oui, attention, le ballon traîne toujours là, la tête derrière. Oh, la frappe. Et bien voici le 2-0. Le deuxième but pour le Fat Union Sport de Rabat. C'est signé de Anas Bosch qui permet donc de... plier définitivement cette rencontre. C'est quand même compliqué. Moi, je vais peut-être... Dans cette double confrontation côté le Tokopo. Et ça a payé cash face à un adversaire qui n'en demande pas souvent assez.